Bonjour. Bienvenue dans la période des talents, l'époque des talents. Bon réveil ou bonne nuit pour ceux qui veulent dormir dans leur pays. Donc, quand tu vas écouter ce message, je veux que tu prêtes attention parce que tu n'es pas en vie maintenant par hasard. Pense-y, tu es en 2022. Donc, je ne peux pas finir sans vous parler des Béninois. Là. Il y a beaucoup de Béninois qui vont vous contacter. Ils ont créé de faux profils avec ma photo. Et ils vont vous demander de l'argent. On est d'envoyer l'argent au Bénin, n'importe où. Ce n'est pas moi. Donc, je vous précise déjà ça. Ce n'est pas moi. Donc, je vous demande d'être très vigilant. Quels que soient les numéros, ils sont sur cette page. Maintenant, si vous pensez, si quand vous contactez dans les commentaires et il vous fait croire que c'est moi, vous communiquez avec la personne parce que peut-être il est moins cher, parce que vous voyez, oh, la reine me contacte, je ne contacte personne. Donc, n'ayez pas la paresse de partir sur la page et chercher les numéros vous-même. Donc, j'espère que la précision en vaut la peine. Bon, le problème que j'ai avec un beau crabe. Un crabe. Bonjour, monsieur le crabe. Tu es sorti de l'eau, pourquoi? Le truc, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes paresseux. Vous êtes à la maison, vous avez des talents, mais vous n'en faites rien. Ah, merci. Merci, maman. Vous êtes à la maison. Tout ce que vous cherchez, c'est le boulot. Il n'y a plus de carburant en Europe, non? Les factures d'électricité deviennent de plus en plus chères, non? Au Gabon, tu as le frigo que tu as branché. Il dit que les Gabonais payent l'électricité, je suis dépassé. Tu peux mettre 40 000 de courant dans ton truc au Gabon, hein, pas moi. Et tu n'utilises pas la clim. C'est le Cameroun qui est encore en train de gérer. Ils font un peu semblant pour l'instant. On est en train de passer dans une époque où tu ne peux plus seulement regarder le petit salaire. L'époque là est en train de passer. Et ceux qui ne comprennent pas vont souffrir. Je vous dis moi, Roha Cash. Le monde est en train d'évoluer. Et ne vous dites pas que c'est seulement pour les blancs. Quand il manque l'essence là, pourquoi tu ne peux pas à la pompe pour te dire qu'il y a l'essence des blancs et l'essence des noirs? Quand tu vois les blancs au chômage là, pourquoi il n'y a pas le chômage des blancs, le chômage des noirs? Il y a les gens que quand ils commençaient YouTube il y a cela 10 ans, on les prenait pour les fous. On se moquait d'eux. Les gens qui ont commencé TikTok. Oh, la fille là. Quand je vois quelqu'un de nos jours qui veut encore aller impressionner les gens avec ses diplômes, il dit que tu n'as pas compris. You don't get it. On est dans l'époque des talents. Tu vas dormir comme ça la nuit, les anges, tes anges vont te dire. On va te montrer en train de faire le design des habits des gens, d'habiller les présidents dans la nuit. Tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai une machine à coudre ici à la maison, non. Tu passes sur YouTube, tu commences à prendre à coudre. 2 ans plus tard, te voilà, tu donnes un peu quelques coups de couture aux gens, en ligne. Tout est en train de devenir à distance, apprendre à distance, enseigner à distance. Même les gens vont me faire l'amour à distance bientôt. Bon, ils font même déjà, c'est pas comme si. Vous mettez les likes sur ma vidéo. Ça va remonter dans les.
C'est que quand je commence à parler d'un air sérieux comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous allez écouter, vous allez vous dire, de toutes les façons, moi j'ai mon boulot. Attendez quand la crise mondiale va toucher votre domaine, vous allez comprendre, vous allez lire le... On est en train d'arriver dans un moment où ton intuition va te donner l'argent. Pas en centaines de francs CFA, pas en millions de francs CFA. Donc, tu vas construire des usines parce que tu as fait un rêve futuriste. 3 ans avant la récession ou avant la crise de quelque chose, l'esprit te montre que va apprendre comment faire fabriquer telle chose. Même pour trouver le formateur, d'abord, tu as souffert. Parce que bon, c'est des trucs qui n'intéressaient pas les gens. Tout le monde voulait faire ingénieur. Tout le monde veut être ingénieur. Toi, tout le monde, un truc va apprendre à fabriquer les bambous pour faire les lits. Bonjour, ma chouchou depuis les Philippines. Moi, bon, je te salue, je suis en quoi? Tu as compris? Et ce que quelqu'un parle, votre tête n'est même pas sur ce que je suis en train de dire. Voilà l'autre qui me dit qu'elle est arrivée des serpents. J'en ai rien à foutre de tes serpents dans ton rêve, ma chérie. Like, I don't care. C'est ça votre problème. Tu es en train de montrer à quelqu'un comment il va faire quelque chose qui va le changer, changer sa vie dans 5 ans. Ah, je dis non, j'ai rêvé qu'on versait telle chose sur moi dans mon. Vous avez dit quoi? C'est comme ça, vous voilà. Vous voilà. Est-ce que vous savez que les ancêtres là peuvent venir vous guider? Là où vous êtes parti trouver l'argent. Vous ne les engagez pas, vous ne posez pas les bonnes questions. Je vais voir le visage de la personne qui me déteste. Là, tout ce que tu vas demander, on dit que tu as une puissance qui peut t'aider. Non. Montre-moi les gens qui me détestent. Voilà tout ce que tu veux savoir. Oui, hein, te voilà. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? Les Blancs ont utilisé leur part de pouvoir. Le Blanc va entrer en méditation. Il va faire des mantras. Il va faire les qualités de choses. Il va sortir de là avec une idée. Il va mettre l'idée là en pratique. Il va guérir les gens. Il va ouvrir son bureau. Il va dire cabinet de guérison de maladies ancestrales dans l'âme. Toi, tu vas vouloir savoir qui te déteste. Tu vas vouloir savoir qui a tué ta mère. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Cherche comment tu vas survivre pour pouvoir aider les enfants que tu as. Soyez focus. Et beaucoup de choses que vous avez comme projet pour faire, c'est seulement pour imiter tout le monde. C'est seulement pour impressionner tout le monde. Oriane, écoute-moi, je serai très cru dans ce direct aujourd'hui. J'en ai rien à faire de ton argent qu'on a volé. Ok? Voilà. On dit forte somme comme ça. Vous avez demandé c'est combien? Tu m'as dit que c'était 50 000. Ou c'était 200 000. Voilà pour vous là-bas. Donc toute ta vie se résume sur 200 000. Pierre Véronique, je vais te bloquer, ne te dérange pas. Tu veux connaître la cause du problème. Hein? Don't worry. Je vais bloquer beaucoup de personnes sur ma page aujourd'hui. Je vais vraiment vous bloquer. Voilà, Sidonie, bloque.
Venez avec vos faux commentaires, je vais vous bloquer. Voilà. Quittez sur ma page. Partez au quartier, vous payez 5 millions, vous allez voir les marabouts du quartier, là, ils vont vous aider. On est dans la période où le talent que tu as dans toi, ça va te rendre super riche. Ça va changer la société dans laquelle tu te trouves. Même si tu es à Washington, ça va changer les États-Unis. Et je vous dis, le processus est très délicat. Pour toi, tu te dis que non, si je peux apprendre à coudre l'habit, il faut que je parte dans une grande école de couture. Moi, je peux pas aller dans les petites écoles. Tu attends quoi depuis? Non, je dois attendre d'abord 4 ans pour économiser 9000 euros. Jesus. Vous êtes seulement fou. Tu sais comment tu peux te développer en 4 ans? Bonjour, papa. Tu sais comment tu peux te développer en 4 ans? Lève-toi chaque jour. Tu dis que pendant 4 heures, je vais m'asseoir. Je vais apprendre une nouvelle technique de couture. Un an, 2 ans, 3 ans. Vous n'aimez pas l'excellence. Vous n'aimez pas développer quelque chose. Non. Je dois aller à l'école, il faut que quelqu'un d'autre me montre. Tu ne vas jamais partir dans une école où on va te montrer comment être excellent dans un domaine. On va te montrer le average. C'est maintenant toi qui vas ajouter ta personnalité, ta dédication, ton courage, ta persévérance, avant que ça va donner quelque chose. Voilà, à notre époque, quelqu'un va encore aller étudier en Europe. Même les Européens en Europe étudient à distance. Ils te disent, je suis à Birmingham, je fréquente en ligne. Oui, en Angleterre. I go to school online. Yes, yes. Le corona est venu casser tout le système. Profitez-en. Et le truc, c'est que quand le cours est en ligne, c'est moins cher. Si on devait te mettre prendre 9000 dollars physiquement, tu pars en ligne, tu ne peux pas. Tu vas payer peut-être 5000 dollars. Tu peux trouver même des cours, c'est encore moins que ça. Et apparemment que tu y es, pourquoi développer un seul don? Tu as toujours voulu peindre. Achète des tableaux, achète des canevas, tu mets à la maison. Tu achètes de la gouache, tu mets à la maison. L'acrylique, tu mets à la maison. Chaque semaine, je vais consacrer 2 jours. Je vais me dédier à l'apprentissage des techniques de peinture. Vous devez être des visionnaires. Je vous préviens qu'il y a des Béninois sur ma page. Je les ai bloqués, fatigués. Maintenant, si un Béninois t'escroc sur ma page, ne dis pas que c'était moi. Je ne vais jamais vous écrire personnellement. Je ne vais jamais vous écrire dans un commentaire pour dire que voilà mon numéro béninois. Ils vont vous envoyer des noms bizarres pour envoyer l'argent au Bénin. Donc faites attention. Si vous voulez envoyer, allez envoyer. Je refuse pas. Tu peux trouver ta part de chance sur un Béninois. Voilà. Mais ne viens pas dire que c'était moi. Ce qui m'énerve sur vous, c'est que vous avez encore l'attitude des Français. Vous savez comment les Français réfléchissent, non? Le Français aime le conventionnel. Pour partir à l'école, il faut que je parle, je m'assoie sur le banc. L'Américain, l'Anglais, non. Ça donne l'argent? Oui. Est-ce qu'il peut faire les cours du soir? Oui, 19h, 21h. 19h, 23h.
Il part d'abord pointer deux endroits. Arrive dans ta 19 heures, il est en ligne. Tu fais quoi? J'étudie. 5 ans plus tard, il a son diplôme. Et peu importe le diplôme que tu dis que tu veux faire maintenant, ça doit être un diplôme pratique. Parce que très bientôt, vous allez chercher l'emploi. Vous n'avez pas, il n'y aura même plus de recherches d'emploi. Il n'y aura plus les job proposals. Il n'y aura plus. À cette époque, c'est en 2022, quelqu'un encore là, il souffre à la maison. Tu souffres pourquoi? Il n'y a pas d'emploi. Mais je dois quand même apprécier les Béninois. Hein. Le Béninois travaille. Le Béninois, c'est au moins 100 profils. Donc, il peut venir dans un direct comme ça. Là. Il se pointe même avec 15 profils qu'il a créés. Ça veut dire que dans la nuit, là, il ne dort pas. Ça veut dire que même pour escroquer les gens, là, il faut le travail sur ça. Il y a de mauvaises conceptions de choses que vous avez dans votre esprit qui ne sont pas ça. Qu'est-ce qui donne l'argent? Quelqu'un a besoin de quelque chose. Je cherche la chose. J'achète moins cher. Je viens vendre comme je peux avoir le bénéfice à la personne. J'apprends à faire quelque chose avec mon corps, mes mains. Je fabrique ou bien je fais sur la personne. Il y a des trucs comme le Reiki. Certains d'entre vous, vous avez des pouvoirs de guérison. Vous avez des pouvoirs pour apaiser les gens. Tu te formes un peu dans le Reiki. Certains peuvent lire dans les paumes des mains des gens. Certains peuvent interpréter les rêves des gens. Arrêtez de chercher le diplôme sur les choses. Donc tu sais, souvent tu vois une personne, et le truc c'est que vous-même, vous ne voyez pas votre talent. Vous faites votre effort pour vous saboter vous-même. Le voilà encore, voilà le Béninois. Le numéro des Béninois, c'est les 229. Bonjour le Sénégalais. Souvent les gens te regardent comme ça, on dit waouh, tu cuisines bien. Waouh, tu dessines bien. Mets un peu, améliore un peu ton dessin, non? Tu vois, moi, tu conseilles bien les couples. Tu peux faire du conseil matrimonial. Donc, il suffit juste que tu donnes un peu le sérieux à ce que tu as. Que tu te prennes au sérieux. Je vais ouvrir mon cabinet de conseil. Conseil conjugal, oui. Oui, oui, oui. Peut-être durant les 12 derniers mois, tu as connecté 10 personnes qui se sont mariées et qui sont heureux. Ils sont heureux dans leur couple. Je suis en cours. Quoi? Ils sont heureux dans leur couple. De tout ce que vous attendez toujours que j'attends que mon gars m'apprécie. Ton gars ne va jamais t'apprécier. On te dit tu prépares bien. Fais tes cartes de visite. Fais ta page Facebook. Fais la page TikTok. Donne même les cours de cuisine aux gens. Non, tu sais, je n'ai pas les papiers. Tu crois que TikTok te demande les papiers pour que tu ouvres une page de cuisine? Tu vois que TikTok te demande les papiers pour que tu ouvres une page de quelque chose. Tu sais, je n'ai pas. J'attends d'abord que. Je vais d'abord aller à l'école. Je dois d'abord finir l'école. Pour l'école, il faut que j'ai les papiers. Pour les papiers, il faut que j'ai ceci. Tu mets tes projets, ça te remet encore jusqu'à même dans 10 ans. Non, je n'ai pas la cuisine. Je suis dans une cuisine commune avec les gens.
vous êtes paresseux. Écrivez vous-même là-bas que je suis paresseuse. Je vais voir les gens qui seront honnêtes. Dites que je suis paresseuse. Vous voyez Facebook, vous n'avez pas dit non. Non, Ezima Chevalier, tu étais paresseuse, tu es toujours. Quand tu rencontres une femme, un jour j'étais en Angleterre, j'ai rencontré un monsieur, un Jamaïcain, qui m'a dit qu'il n'avait pas les papiers, j'étais dépassée. Il a vu son frère, il a crié, il a ouvert le restaurant avec les papiers de son frère. Il avait une Mercedes, une Mercedes de peut-être 4 ans d'âge. Nyang nyang. Il avait une maison qu'il avait louée au nom de son frère, mais c'est lui qui vivait là-bas. Tu sais que les hommes jamaïcains préparent très bien. Donc quand il est arrivé en Angleterre, il a perdu ses papiers. Il s'est dit, je connais cuisiner. Oxtel. Vous connaissez leur repas là, non? Oxtel, tout ça là, voilà. Rice and peace. Sans papier. Avec son petit agent qu'il avait, il a commencé le restaurant. Quelqu'un m'avait dit, mais tu n'as pas les papiers. Même si tu fais le genre que tu ne peux pas dans ta maison. Avec TikTok. Hein. Tu ne peux pas avec ton petit, ta petite gazinière de que tu as acheté à 20 euros là. Sur le bon coin. Tu mets sur TikTok, on vous livre. Prépare. Fais seulement que ce soit bon. Fais seulement que ce soit bon. Mets sur ça le bon service. Tu peux acheter les assiettes, hein, les assiettes de livraison. Là. On ne va pas refuser. Non. Les assiettes takeaway là. C'est dans les magasins, c'est ouvert à tout le monde. C'est avant, il y a déjà 10 ans qu'on disait que non, comme tu es, quand tu es grossiste, ou bien tu peux entrer ici, là, tu dois prouver que tu es restaurateur. Maintenant, c'est dans tous les rayons. Tu peux trouver les trucs de takeaway. Nadinez, là, pardon. Les passages bibliques qu'on peut utiliser. Tu as besoin de jeûner pour demander à Dieu ce que tu dois faire. Oh, Chantarabassa. J'ai envie de vous gifler en langue. Yes. Vous vous endormi que comment à l'église, non? Hop. Clara, je ne vais pas moi te voir. Et bien, quand elle vient à Badjou, c'est pour me reposer. Vous là, vous n'aimez pas, vous ne connaissez pas payer quelqu'un. Donc, je viens ne gâtez pas ma. Je vous ai demandé à dire plusieurs fois. Quand elle vient à Badjou, je ne vois personne. Tu as besoin de jeûner pour demander à Dieu ce que tu dois faire comme activité commerciale? Oh, come on, baby girl. Come on. Oh, come on. Vous m'énervez. Vous m'énervez. J'arrive pas à croire que vous aimez sur ma page. Vous me suivez depuis. Parfois, il me dit que c'est facile pour un homme de tromper une femme. Les femmes sont tellement bêtes. Jesus. Hey. Pour vous, là, me dépasse. Quand vous arrivez quelque part, ne faites pas que vous me connaissez. Belle et bête. Tu as dit qu'il a pris mon argent. Il a pris mon argent. Tu étais bête.
Je travaille sur mon intelligence. Je travaille sur mon intelligence. J'ai lu les livres. Je ne blague pas. Même à Paris, il y a des gens qui ont besoin des gens qui vont nettoyer leurs chaussures. Service de nettoyage de chaussures. On vous livre à domicile. Tu fais ta page, tu mets sur TikTok. TikTok te permet d'avoir même 5 comptes. Tu crées seulement les différentes adresses email, tu mets sur ton téléphone. Il y a les gens, il y a les blancs qui sont sur la barre. Ils disent que je veux tester la cuisine camerounaise. Et vous n'avez même pas besoin d'être d'un pays pour préparer la nourriture de ce pays. Il y a les Camerounais que vous ne connaissez pas préparer la nourriture camerounaise. C'est quand vous êtes arrivé en Bénin que vous avez appris à préparer. Tu ne connaissais pas faire le coq. Tu ne connaissais pas faire le héros. C'est arrivé en Bénin que tu as appris. Il y a toutes les cuisines sur YouTube. Et il y a une niche, la niche des Nigérians. Les Nigérians sont dans tous les pays en abondance, en masse. Même au Cameroun, il y a les Nigérians en masse. Clara, je ne consulte pas à l'Ouest. Même si tu me payes le double du prix de la consultation, je ne consulte pas à l'Ouest. Tu vas en ligne, tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Dès que tu trouves cuisine portoricaine, mets-toi sur ça pendant un mois. Tu vois tous les ingrédients là. Tu vas voir que tu vas cuisiner portoricaine comme ça. Tu vas dire que yeah. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il est à Toronto, il me dit, voici un Indien qui prépare le poulet comme les Camerounais. C'est le seul à la ronde ici. Tu achètes le plat comme ça, $30. Il fait, il ouvre comme ça, je vois un morceau de poulet dedans, avec le riz, avec les Indiens. $30. Toi, tu es Camerounais, tu peux acheter. Je vais vous taper, je vais vous gifler. Paresseux. Riche. Jesus. Vous me demandez que laissez la malédiction de côté, laissez le diable de côté, laissez les gens qui veulent vous tuer de côté. Donc comme tu es là, tu ne veux rien faire de ta vie. Tu peux finir, tu déposes le téléphone, tu dis ok, je passe sur YouTube, tu écris cuisine portoricaine. Comme j'ai dit là, je sais que personne d'entre vous ne va le faire. C'est ça qui me gagne sur vous. Cuisine brésilienne. Cuisine ivoirienne. Tiens, un truc qui me plaît sur les Maliens. Maliens, Somaliens. Quand ils arrivent dans un pays. Par exemple, au Gabon, vous allez voir les femmes qui se baladent. Elle a un box sur sa tête. Il y a la nourriture dedans. Les Gabonais viennent manger ce qu'il y a sur la tête de la femme là. Alors que si tu pars chercher, même elle n'a même pas la maison où vivre. La femme là n'a pas la maison. Mais elle sait que je connais préparer. Elle a un petit tour de séjour au Gabon. Là voilà, avec ça sur sa tête. Tu vois des poissons alignés dedans comme ça là. Il faut les voir alignés là-bas, au truc là-bas, au centre-ville. Pour acheter la nourriture des femmes là. Il faut les voir. Hum.
Chacun va avoir la veste, il est dans le grand bureau. La mère va te dire qu'elle a le bénéfice de 30 000 par jour. Plein 1 000 francs, 1 500, 2 000. Tu vas la simplifier. Regarde ça là-bas. Moi, si je veux faire, il me faut avoir un lion local. Il faut que j'ai les marmites. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, les Camerounais, vous avez le crânage, vous m'avez dépassé. Vous aimez montrer que vous êtes les patrons. Vous aimez montrer que vous êtes les patrons. Quand ils voient mes employés font ça, je peux les gifler. Ils disent que vous croyez que j'ai construit l'entreprise ici comment? Vous croyez que j'ai construit cette entreprise comment? Vous allez vous asseoir pour faire les grands boss. Je vous renvoie. Je pars moi-même sur ton poste là, le jour là, je travaille avant de chercher quelqu'un. Tu penses qu'elle peut pas balayer le sol? Ouf, qui t'avait ça? Vous aimez jouer les grands boss. Tu sais, j'ai besoin de telle somme pour mon projet. Tu as combien? J'ai 50 000. Tu avais 50 000, tu ne penses pas que tu peux commencer quelque chose? Non, mon projet, mon business plan, c'est 780 000. Bonjour Camille, bonjour Henriette. Vous voilà. Je cherche le boulot. Ça fait 3 mois que tu cherches le boulot. Il y a un petit espace dans votre cour. On dit, va commencer à faire quelque chose là-bas, non? Ah, donc vous aussi me voir que j'ai, avec tous les diplômes que j'ai. Je peux pas. Première semaine, tu mets un truc. Deuxième semaine, tu mets 3. Troisième semaine, tu mets 5. Cinquième semaine, tu as 10 à 10 choses que tu vends. Après, tu t'organises, tu fais les menus. Il y a les jours de la semaine, il y a les menus. Après, tu mets les livraisons. Tu vois un bensiquineur du quartier. Après, tu envoies quelqu'un, Ange Raphaël, on te fait des petits tracts là sur le format A4 blanc. Ne fais même pas la couleur. En couleur, on va te dire qu'il te faut 120 000 francs pour faire 1000 flyers. Fais le noir sur blanc. On découpe les petits bouts comme les cartes de visite. Maximum 5 000 francs. Mais c'est même beaucoup. Un samedi, tu te décides comme ça au dimanche matin. Tu mets ta casquette avec tes tennis. Tu prends tous tes enfants à la maison, là, sautez. Vous partez dans une rue comme ça, là, tu leur donnes les papiers que chacun lance dans sa maison. Il y a les nouveaux quartiers. Il y a les quartiers de Yassa, les nouveaux quartiers. Et là-dessus, tu as mis ta page TikTok. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Tu as mis ta page TikTok. Quelqu'un vient cliquer sur toi, il prend ton papier aussi, il voit. Il passe sur TikTok, il voit comment tu as fait, c'est beau. Il y a les filtres sur les téléphones que vous avez dans vos mains. La personne regarde comme ça, dit, waouh, c'est beau. Elle ne sait pas que tu prépares dans une petite cuisine. Que tu vis dans un studio avec 5 enfants. Et que tu ne peux pas mettre dans la cour. C'est dans la cour que tu prépares. Mais c'est hygiénique, c'est propre. Tu ne peux pas sur les fous. En balle. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous souffrez. Je ne connais pas utiliser TikTok. Je ne connais pas. Va sur YouTube, tu dis qu'aujourd'hui, je vais apprendre TikTok. Assois-toi quand tu finis, si tu t'assois, tu cliques, tu regardes les vidéos qui disent tu pars, tu pratiques. Tu regardes, tu pars, tu pratiques. Comment faire les belles photos? Comment faire les belles vidéos? Comment faire le collage de photos? Comment bien filmer sous la lumière? Ouais, Seigneur Jésus, oh, 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 oh. Oh, la pauvreté que vous cherchez ici de haut. L'homme baissa, je veux vraiment que vous évitiez les scammers qui sont sur ma page. Quand vous venez dans les commentaires.
693 50 22 66. Ça, c'est le numéro. Mais quand tu écris comme ça, là, un scammer va venir voir ton commentaire. Il va t'écrire en inbox. Que non, ce n'est pas le numéro là. Envoie plutôt ici. Par contre, tu peux voir ce numéro. Tu prends, tu écris sur le numéro. Bonjour. Est-ce que c'est ce numéro aussi pour confirmer sur WhatsApp? On te répond. Bonjour Camille, tu veux t'abonner? Je vais alors faire comment pour que tu t'abonnes? Tu veux t'abonner, tu t'abonnes, non, mamie? Oh, tiens, que me regarde. Ne restez pas dans le superficiel. Creusez-vous pas au fond des choses. Tu regardes une photo, une vidéo sur TikTok, ça te plaît. Pas sur YouTube le jour là, tu dis que je vais apprendre comment on fait ça. Parce que même tes clients aiment les gens qui cherchent. Quand ton client vient, il voit que waouh, elle a fait l'effort. Regarde comment elle a fait l'effort. Elle a appris comment on fait. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Oui, du coup, ton problème, ce n'est pas l'argent. Il y a l'argent ici dehors. Tu peux voir une femme, elle a le restaurant. Elle a le pressing. Parce qu'elle est partie voir un gars du quartier qui peut laver les habits à 500. Et elle voit que son... Elle lave bien. Elle peut voir quelqu'un qui fait les cachets là. On lui fait un beau cachet avec son entreprise à elle-même. Elle voit le gars. Ok, tu laves à 500, non? On veut lancer mon business. Lave-moi les habits à 300. Tu commandes ton cachet. Quand il lave, il emballe, il te donne. Tu mets ton cachet dessus. Avec ton numéro de téléphone, tu peux livrer au client. Tu dis au client, voilà, tu laves chez lui à 300, tu peux prendre même 800 au client. Si on livre chez vous, tu prends 1000 francs. Parce que tu apportes le service, tu es dans ton fin fond de quartier là. Ton client peut-être est à Bonanjo ou bien à Bonan quelque chose là. Mais toi, tu prends le bon service, tu ramènes ça devant sa porte. C'est ça qui te donne de l'argent. Bonjour. Bonjour. C'est ça qui te donne de l'argent. L'argent n'est pas compliqué. C'est vous qui compliquez l'argent. Et ce que je vous dis là, c'est dans tous les pays. Hein. Dans n'importe quel pays. Et ne vous inquiétez pas que si vous vendez les mêmes choses que moi, ça va me déranger. Chacun a ses clients. Quelqu'un peut venir voir chez moi, ça n'intéresse pas pour acheter. Mais dès qu'il voit ta tête, ça lui plaît. Il dit, hey, c'est vrai que le chapeau que toi tu vends, là, pour la reine, ça ne me plaît pas. C'est que pour toi qui vas acheter. Quand vous voulez faire vos choses, si vous voulez vous mettre la honte dedans, c'est votre problème. Si vous voulez vous chercher à impressionner les gens. Moi, je dis que l'argent n'a pas de couleur. Ah, c'est pour ça que tu peux voir facilement. Un père ici, là, il n'a pas le fréquenté. Hein. Mais il est rusé dans l'argent. Il a le sens. Il a le sens. Tu le vois avec les stations d'essence, les hôtels. Tu le parles, il dit que je l'ai dit que. Il ne parle même pas bien le français. Combien il a l'argent? Il a compris que l'argent ne venait pas avec les diplômes. C'était le talent.
Il y a un niveau où quand tu as de l'argent, tu ne te casses même plus pour aller en quoi à l'école. Alors que je n'ai pas à l'école, je fais tout ça là, j'ai fait encore le diplôme. Alors que je peux y travailler mon argent ici. J'ai à trouver le créneau, je sais comment multiplier l'argent. Je suis plus riche que mes dessins mélangés. Mes revenus mensuels dépassent même pour 5 ingénieurs. Ça, c'est l'époque de talent, je vous ai dit. Et le talent, c'est quelque chose que ça vient. Et le talent a besoin. Le talent a besoin de discipline. Le talent a besoin de persistance pour se développer. Le talent a besoin que tu oublies. Tu arrêtes, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un quand tu développes ton talent. Le talent a besoin que tu sois constamment en train d'apprendre. Constamment. Bonjour Laurentine. Bonjour Meufo. Meufeu. Bénédiction, bonjour. Camille Dupont, écris en inbox, je vais te le donner. Tu as compris, non? En fonction de ton pays, fais un message, s'il te plaît. Peut-être que tu es allé à l'école, tout à part, c'est que tu peux être secrétaire. Donc, moi, si tu trouves le boulot, on va te dire que fais secrétariat. Salaire, 1500 euros le mois. Et tu fabriques les petits bijoux de côté, là, c'est bien. Tu fabriques bien les petits bijoux, là. La cuisine, là, tu t'en sors pas mal. Pas mal, ça veut dire que ça est en train de venir. Maintenant, c'est l'application et l'apprentissage constant qui vont te permettre de développer la chose pour que ça arrive au niveau où on dit « waouh ». Ça arrive au niveau où on ne peut plus se passer de toi. Ça arrive au niveau où quelqu'un fait 3 heures de route parce qu'il vient pour manger ton tarot. Il quitte Londres, il vient à Birmingham, il mange ton tarot, il rentre encore dans le train, il rentre à Londres. C'est ça. C'est un chemin. It's a long way to go. It's a long way. And I know that some of you don't like it. I want it now. But when you start developing your talents, it's something that will go on forever. You're not going to retire. You're going to improve it. Tu vas améliorer tes talents. Tu ne vas pas aller à la retraite. Tu as 60 ans, tu as une nouvelle idée qui arrive. 65 ans, une autre idée. Et vous voyez ce genre de personnes-là, ils ont toujours l'énergie. Et tu vas te vouloir faire quelque chose. Tu dis, mais tonton, tu as 70 ans. Il dit, non, je vais ouvrir un autre truc là-bas, une nouvelle succursale là-bas. C'est un mindset. C'est une mentalité que tu adoptes. Une façon d'être. Au revoir. C'est une mentalité que tu développes. Une façon d'être, tu deviens. Ok, bon, je vais vous laisser. Vous passez une superbe belle journée. Écrivez-moi en inbox le soir, vous me dites ce que vous avez appris aujourd'hui. Même vos pages TikTok que vous avez créées. Même quand je sais que vous êtes assez loup, vous n'allez pas les créer. Pardon, il n'y a plus rien à faire pour vous. Hein. Parfois, vous m'énervez, vous me découragez. Je dis que, donc tu vas forcer seulement quelqu'un pour qu'il réussisse. Ah, pas. T'as rien, non? T'as rien, non? Elle va demander l'argent aux hommes tous les jours. Il faut la laisser, sa famille se moque d'elle. Bon, vous passez une bonne journée.